Ça, c'est une partie qui est effectivement pas du tout visible au public, hein, qu'on essaye de montrer ou de sortir de temps en temps un certain nombre de spécimens. C'est pas toujours évident, il faut que ça colle. Après, le remplacement dans les vitrines n'est pas facile non plus, parce que, comme je vous le disais, on ne remplace pas des petits oiseaux par des gros oiseaux ou vice-versa, c'est compliqué. En plus, il y a la thématique. Si on commence à toucher au singe au premier étage, du coup, bah, on va tout changer, donc c'est vraiment pas évident. Et puis, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, voilà. Donc ça, c'était dans une pièce où on avait donc, tout ce qui est canidé. Alors, il y a des loups, il y a des chacals, il y a des renards. Souvent, les gens croient que c'est les mêmes espèces, mais c'est des espèces tout à fait différentes. Tout ce qui était félin, donc du chat sauvage, du lynx, et puis toute une série de loups, bah, les loups, le loup gris, quoi, le loup de chez nous, alors qu'il peut varier de couleur de très, très clair quand il est vraiment dans l'Arctique, jusqu'à beaucoup plus foncé quand il est dans les Alpes françaises. Quoi. Les grises oiseaux, il n'y a pratiquement que des passeriformes, ce qu'on appelle les passereaux en général. On a un peu des pics devant, Marsa pêcheur, mais vraiment, c'est pratiquement que des passeriformes. Et on a tout le reste là-haut, quoi. Enfin, on a une grosse galerie de rapaces là. Et tout le reste que les gens ne voient pas, du kiwi, des choses comme ça, des albatros, tout ça, ben, tout est au troisième étage, dans les réserves. C'est tout factice, hein. La langue, obligatoirement, parce que de toute façon, autrement, ça pourrirait. Et puis même les dents, là, elles sont... On pourrait avoir des vraies dents, hein. Mais ce n'est pas le cas. Ça se fait moins parce qu'on a, y a moins tendance aussi à vouloir rendre l'animal agressif. L'ours polaire est en position agressive. Il n'est pas en position. Bon, un ours, c'est pas sympa. Je veux dire, c'est sympa comme ça, mais c'est pas voilà. Un ours, ça se débrouille partout et ça grimpe, ça nage, ça fait tout ce qu'on peut rêver. Donc, quand il est un peu énervé, mais ils sont en position agressive. Et pourquoi? Parce qu'on les a à l'époque achetés à un musée, mais qui était un musée constitué par un couple de chasseurs. Donc automatiquement, ils l'ont mis en position agressive. Actuellement, Dominique, le Mika qui est taxidermé chez nous, il va pas interpréter, il va lire, voir des films, enfin voilà, essayer de voir tout ça pour arriver à faire l'animal le plus proche de la réalité. Mais dans le temps, c'était pas le cas. Donc on leur racontait que tel animal était toujours agressif, on le faisait agressif et on les faisait montrer les dents, obligatoirement. Donc là, on rentre vraiment dans les réserves. Donc là, c'est consacré qu'aux oiseaux. Donc c'est tout ce qu'on voit. Alors, classé. Grosso modo, la collection d'oiseaux, y compris les œufs hein, et les peaux, on est à peu près à 18 000 spécimens. Donc vous voyez la masse, je veux dire. Si vous êtes obligé de chercher sur 50 compactus, comme il y a ici, 50 armoires mobiles, deux spécimens, c'est comme vous cherchez une aiguille dans une boîte de foin. Donc c'est à la limite, voilà, pour les gros spécimens bien caractéristiques, ça va. Mais pour les autres, c'est pas trouvable. Quoi. Combien d'animaux vous avez en tout dans ce musée? Plus d'un million. Par exemple, ça, ibis sacré, il y a des spatules. Alors, du butor étoilé, bon, ça c'est régional, tout. Chaque fois, c'est l'ordre. Si vous voulez, c'est un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a les oiseaux, puis au fur et à mesure, on va avoir un groupe qui va être ce qu'on appelle l'ordre, qui va regrouper les oiseaux qui ont un certain nombre de caractéristiques ensemble, puis on va descendre et on va arriver jusqu'à la famille. Tout ce que vous voyez en AE, derrière comme ça, c'est la famille. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les genres, c'est-à-dire qu'un nom d'animal, il est composé d'un nom de genre et d'un nom d'espèce. Style Cyconia, Cyconia pour la cigogne blanche. Nom de genre Cyconia. Cyconia, nom d'espèce, c'est cigogne blanche. La cigogne noire, c'est Cyconia nigra. Et les dates, c'est quand vous... Ça, c'est quand on les a revus. Quand on a refait tout l'inventaire. Les plus anciens qui ont été capturés remontent à quelle date? Ça remonte, c'est Hermann. Et Hermann, c'est les années... 1700, en 60, on est sûr, même un peu avant, qu'il avait déjà des animaux. Alors, pas forcément, c'était pas forcément collecté par lui. C'est quelqu'un qui a pratiquement pas bougé, donc originaire de Bar, qui a fait quelques petites excursions en Alsace, oui, ok, qui est allé deux ou trois fois à Paris. Son frère y allait relativement souvent. Son frère, ça a été le maire de la ville de Strasbourg. Il y allait relativement souvent.
Mais lui-même n'a pas beaucoup bougé. Par contre, il avait un réseau d'étudiants, des étudiants qui formaient, il était scientifiquement reconnu par ses pairs, donc du coup, un réseau de scientifiques du monde entier. C'est comme ça, par exemple, le grand pingouin, qui est une espèce disparue, qui est en vitrine en bas. Alors, il est intéressant à double titre, c'est que c'est une espèce disparue, et que c'est la collection historique de Jean Herman, et ça lui a été offert par un scientifique de renom, un russe qui s'appelait Pallas, qui avait été épaulé, enfin, ou très aidé par Catherine de Russie. Et du coup, Herman le connaissait, il y a eu des échanges, hein, dans les courriers, on suit pas très bien comment celui-là est arrivé ici. Et donc Pallas lui a offert deux spécimens vraiment de Russie et le grand pingouin. Voilà, donc il a surtout constitué sa collection comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'exotiques à l'intérieur de la collection. Or, on sait qu'il n'a pas bougé, donc donc c'est que par le biais de ses étudiants, des scientifiques de l'époque avec qui il avait des relations. C'est assez marrant d'ailleurs parce qu'il a, aux archives, il y a pas mal de courriers, enfin de choses sur Herman et sur la collection de zoologie en tant que telle. Et il y a une lettre aussi de Jean Herman à ses étudiants en disant voilà, si vous venez de tel pays, il faut passer à tel endroit, la douane et pas autre part parce que c'est plus facile là. Et il savait déjà à l'époque, et comment est-ce qu'il faut conditionner les spécimens. Si vous me ramenez ça, il faut conditionner de telle façon. Vous voyez, c'était vraiment bien fait de sa part. Quoi. C'est vous qui avez sa place aujourd'hui en fait. Ah ouais, un peu, oui. J'ai pas son nom vert. Ouais. Non, mais bon, lui, il a constitué une collection privée. Hein. C'était son cabinet, puisque en fait, il était professeur de botanique, de médecine, de chimie, et passionné par l'histoire naturelle. Donc, il a vraiment constitué. C'était vraiment pas un cabinet de curiosité, c'était vraiment un cabinet d'histoire naturelle. Il n'y avait que l'histoire naturelle dedans. Il n'y avait absolument pas d'autre chose. Est-ce que vous avez des animaux préférés dans la collection ? Je vais vous montrer. Mais pour moi. Il n'y a pas de soucis, vous. Alors. Il est où, côte-côte. Alors, pas trop, j'adore les hiboux. Ça, c'est. En fait, c'est celui-là. C'est mon Napoléon. Celui-là, je l'adore. Je le trouve. Ça, c'est un hibou d'Asie, Sumatra. Voilà. Et je le trouve absolument génial. Quoi. Et puis, j'ai vraiment une affection particulière pour les grands ducs. Parce que c'est vraiment des bêtes. Je les trouve fascinants. Voilà, Sumatra 1846. Un collecteur, celui-là. Donc, ça, il faudra qu'on cherche. Mais bon, il est. Non, mais c'est ces petits trucs, c'est marrant. Moi, j'aime bien. Il y a du grand duc de chez nous, du grand duc américain. Donc, celui-là, il vient de Bar, 1841. Voilà. Il est beau, hein? Après, les plumes aussi, c'est fait pour que ça fasse moins de bruit la nuit, hein, quand ils volent, puisqu'ils chassent. Donc, il faut que les proies... tout ça, il faut que les proies, en fait, entendent le moins de bruit possible. Hein. Si vous voulez, les sons arrivent décalés d'un tympan à l'autre. Et donc, du coup, ils arrivent... ça les aide à localiser très précisément la proie, en fait. Voilà. Je sais pas d'où il vient. Celui-là, il n'y a pas d'indication. Monsieur ne veut pas dire. Celui-là, c'est Espagne du Sud, ça c'est Chilpé. Il a ramené. Chilpé, quand il est allé chercher les bouquetins. Mais c'est vraiment c'est des belles bêtes.
On peut dire qu'un oiseau, c'est pas du tout une collection de recherche, clairement. C'est une collection, les Allemands, enfin, les Français ont beaucoup eu, de plein de coins du monde. Ils avaient des correspondants un peu partout. Donc, ils avaient des Alsaciens du bout du monde, hein, toute la période française jusqu'en 70. C'est ça, c'est, ils avaient ce réseau de militaires, de commerçants, de tout ça. Et donc, c'est des gens qui étaient relativement fiers d'enrichir le musée de leur région. Voilà, c'est comme ça que ça s'est. Donc, c'est pour ça qu'on a des coins du monde qui sont hyper bien représentés. Par exemple, on le suit très très bien. On a un chirurgien major de la marine qui, à chaque escale, qui est nommé correspondant du musée, puis à chaque escale, il fait collecter, il envoie. Donc quand il arrive au Chili, pourquoi on a beaucoup de Chili ? Parce qu'il est allé là-bas. Voilà. Donc c'est vraiment, sa période française, elle est très amusante, elle est très marquée. Par ça. La période allemande, le Dornan, il était beaucoup plus dans collection, reflet du savoir de l'époque, reflet des connaissances de l'époque. Donc collection encyclopédique, c'est-à-dire on achète, par exemple en malaco, en mollusque, on achète plein de choses, on achète tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui est connu de l'époque, ou presque, on essaye. Hein. C'est mal renseigné, c'est océan Indien, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt si vous voulez, parce que l'océan Indien, ça ne veut tout dire, rien dire. Par contre, on a quelque chose qui représente effectivement, donc c'est des collections, voilà. C'est vraiment la façon dont Dornan a travaillé beaucoup en entomologie aussi. À un moment donné, il a acheté un spécimen de chaque genre qui était décrit, vous voyez, de l'époque. C'était pour avoir vraiment une vitrine. C'était une vitrine de ce que les scientifiques connaissaient. Les Français n'ont pas du tout eu la même façon de travailler. Mais les deux façons de travailler se sont bien complétées. Vous voyez, ça a amené. Chacune a amené quelque chose de particulier. De Dornan, en plus, avait ça. C'est un spécialiste des échinodermes, tout ce qui est oursins, étoiles de mer, etc. Et donc, à cette époque-là, il y a eu les premières expéditions océano-allemandes, hein, c'est-à-dire les premiers navires qui partaient. Il y avait aussi des navires de guerre, c'est tout le côté de la politique expansionniste du Reich, hein, où ils partent dans le Pacifique, c'est des grosses expéditions où il y a souvent des scientifiques, mais c'est souvent des expéditions militaires. Et du coup, Dornan avait énormément de contact avec ces gens-là, il déterminait par exemple tout ce qui était ramené d'une campagne océano, on lui a envoyé pour déterminer tout ce qui était étoiles de mer, oursins, etc. Et en échange, il l'avait pour le musée des choses qui arrivaient. Vous voyez, c'était toute cette politique-là. Et alors, ce qui est vraiment amusant aussi, c'est vraiment ça. Alors par contre, je l'avais déjà découvert, mais je n'étais pas allée très très loin là-dedans. Et puis j'avais été contactée par quelqu'un qui voulait absolument que je participe à un colloque sur la marine allemande, enfin, sur les Alsaciens, il aurait engagé la marine allemande. Et puis bon, j'ai renoncé pour des problèmes de santé à le faire, mais il y aura un article, et du coup, il m'a fait chercher. C'est vraiment de travailler justement sur cette politique expansionniste. Je ne comprenais pas pourquoi, à un moment donné, on avait énormément de choses qui venaient d'une personne, ok, mais estampillées d'Ar es-Salaam. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il allait foutre là-bas tout le temps, quoi ? En fait, c'était une base militaire. Voilà, et donc c'est marrant, c'est que du coup maintenant, ces collections, enfin la partie allemande, on les voit à la fois d'un côté encyclopédique, à la fois d'un côté océano, et on la voit aussi maintenant d'un côté historique militaire, quoi. C'est-à-dire, on voyait Tsingtao en Chine, mais merde, on n'a rien d'autre, quoi. On a un, et je me disais, mais pourquoi une ville sur la. Vous voyez, pourquoi une région en Chine. À un moment donné, et il n'y en a pas d'autres. Donc vous vous dites, il y a quelque chose. Ben, en fait, Tsingtao, c'est la même chose. Quoi. C'est un des premiers trucs qu'ils ont que les Allemands ont occupé en Chine. Quoi. Donc du coup, on les aborde aussi différemment. Mais ça, je trouve que c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve ça génial. Quoi. On se replonge dans une autre histoire. Bon. Après 18, ça allait encore. On a eu des personnes intéressées par le musée, etc. C'est après, vous voyez, la période. Le top 7, c'était encore hyper intéressé par le musée, donc dans les années 20-25, ça allait. Après, on sent qu'il y a moins d'intérêt de la part des directeurs. C'est pas parce qu'ils sont français, c'est qu'il y a moins d'intérêt. Et après, pendant la guerre, 39-45, ben, les laboratoires veulent prendre le pas sur le musée, parce qu'on partageait toujours le temps. Du coup, on réduit les espaces de musée. C'est là où on a perdu une grosse collection de grands mammifères qui ont brûlé pendant la guerre, parce qu'ils les ont sortis d'ici pour aller à la manufacture des tabacs. Donc on sent quelque chose où il y a un désintérêt. Il y a plus. Je pense qu'aussi, à un moment donné, la zoologie, elle perd ses lettres de noblesse. Vous voyez, il y a aussi tout ce côté-là. Donc, et puis, bon, le temps de guerre n'était pas.
Le temps d'occupation allemand de 70 à 18, moi je suis impressionnée quand même par les relations que, quand on lit les courriers, etc., par les relations que les scientifiques pouvaient avoir entre eux, même en période de guerre. Vous voyez, il y avait quelque chose de, je ne dis pas où la science passait par-dessus tout, mais il y avait des liens qui restaient encore. Et quand de Zerlein est parti d'ici en 19, il a donc perdu sa collection personnelle qui venait du Japon. C'était sa collection, c'était pas une collection universitaire ni de recherche, c'était sa collection propre. Et les conservateurs français qui sont restés ont tout fait pour qu'il récupère une petite partie. Ce qui est quand même, parce que bon, un traité de Versailles oblige, il perdait tout, quoi. Ça devenait complètement français, les biens étaient confisqués, etc. Et je trouvais ça assez... pas fair play, mais c'était assez chouette, quoi. Vous avez encore des donateurs aujourd'hui ? Oui. Alors, évidemment, moins, enfin, je veux dire moins, c'est-à-dire que... Il y a toutes les lois de protection, quand même, qui font que les gens... des oiseaux, vous ne pouvez plus rien collecter, enfin, je veux dire, ou pratiquement rien. Même les nids sont protégés, hein. Donc je veux dire, vous savez, la protection, elle est générale. Donc évidemment, il y a moins de collecte, ça ne nous dérange pas après, hein. C'est au contraire. Après, c'est plus, soit, alors vraiment, des collectionneurs, en Malaco par exemple, hein, les collectionneurs de coquillages existent encore, des entomologistes, voilà. Là, c'est des collections qu'on peut arriver, qui arrivent en nombre important. Ou alors c'est plus des collections ponctuelles, type, voilà, les gens ont dans le grenier ou dans la cuisine, il y avait le grand tétra que le grand-père ou l'arrière-grand-père avait tué, voilà. Et nous, alors ça nous fait des données, moi j'axe beaucoup sur les données régionales actuellement, pour qu'on soit vraiment une banque de données, ça aide aussi quand on fait des études d'impact, etc. Tout. Bon voilà, ces collectionneurs, ça vient un peu de partout. Voilà, vous voyez, on a mis de la mousse, puis on a fait des gabarits, en métal, qui nous permet de creuser la mousse exactement à la dimension du socle. Du coup, ça bouge pas. Vous voyez, c'est pour eux, enfin, c'est une sécurité de. Parce qu'avant, vous les posiez comme ça sur une étagère, et ben, ça dégringolait, quoi. Ils se cassaient la figure, c'était terrifiant. Donc maintenant, au moins, on essaye vraiment d'améliorer tout le conditionnement, enfin, pour que. C'est un travail que le public ne voit pas forcément. Mais pour nous, c'est vital. Ça nous permettra aussi de leur offrir, de pouvoir continuer à leur offrir, je sais pas, leur montrer d'autres spécimens, etc. Mais c'est la même chose pour les nids. Bon. Ça, c'est des nids de colibris, c'est hyper fragile, c'est tout petit. Donc voilà, on a mis des épingles en fait sur les bords. C'est pas les. De façon à ce que les tiges ne bougent pas, que tout soit. Voilà, pour qu'après, si vraiment on fait quelque chose où les colibris sont intégrés dedans, on aura des nids impeccables, on aura des spécimens impeccables, on pourra vraiment. Et vous êtes combien pour faire tout ça ? Trois. Et pour qu'un papillon soit intéressant scientifiquement, il faut qu'il ait des informations de collecte sur l'étiquette qui est en dessous de la bête, normalement. S'il n'a pas, on ne le range pas dans ces collections-là. On a une collection bis qui s'appelle collection pédagogique, où on met tout ce qui n'est pas renseigné et qui sert juste parce que c'est beau, quoi. Et donc là, chaque papillon est d'une espèce différente ? Là, non. Là, vous avez le genre d'Elias. Vous avez une espèce ici, une autre espèce là. Là, vous avez cinq espèces, par exemple, vous voyez ? Alors parfois, il y a certains papillons, on a pour une espèce, j'ai 50 tiroirs. C'est celui qui a disparu des Vosges du Sud, et c'est pas pour rien qu'il a disparu, quoi. Il est ici. Celui-là, voilà. Celui-ci, ça c'est ce qu'on appelle l'Apollon, et qui existait en Alsace autrefois, dans une région, dans une vallée des Vosges, ça s'appelle la vallée de Cévennes, et il n'y en a plus. Et on en a plusieurs tiroirs. Donc ça, c'est la même espèce, hein, tout collecté ici en Alsace. Voilà, ça, c'est un autre exemple. Là, c'est dans les jaunes, c'est Amérique tropicale, donc Amérique du Sud, en gros. Donc voilà, tout est organisé de cette manière. Est-ce que vous pourriez estimer combien de pourcentage d'espèces disparues vous avez dans votre collection ? Compliqué, hein. En oiseau, on en doit en avoir... une bonne vingtaine, peut-être plus. En mammifères, pas beaucoup. On a
Je sais qu'on a un kangourou. On a des mollusques qui ont disparu. Après, on a des disparitions régionales, Apollon, tout ça, qui ont disparu. Après, le canard du Labrador, sincèrement, je veux dire, on l'a su. Donc, on a un spécimen. On l'a su parce que c'est un Canadien qui faisait une étude mondiale sur les spécimens qui étaient au musée. Il n'y a que 11 spécimens en musée. Donc nous, on en a un. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a aussi. Si vous voulez, il y a des choses qu'on découvre. Après, dans 15 ans ou 20 ans, j'espère qu'ils ne vont pas s'apercevoir qu'il n'y a plus de félins. Quoi. Mais bon, ça risque d'arriver. C'est-à-dire que ce qu'on a en félin, à mon avis, à un moment donné, ça risque d'être... voilà. Après, on sait qu'on a des espèces pour l'instant, qui sont toujours là, mais avec des populations entre 50 et 250 individus. Donc, à terme, d'abord, génétiquement, ce n'est pas viable. Enfin, voilà. Donc à terme, on a très peur. Mais chez les oiseaux, c'est assez impressionnant.